Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Black Flag. Nous sommes actuellement à Nassau, où pour l'instant il y a un blocus. Donc il va falloir avancer dans l'histoire pour pouvoir sortir de la ville. Donc on va continuer un petit peu notre aventure. Et essayer de se libérer du... des personnes qui bloquent la ville. Hop, c'est juste là, pardon, à la taverne qu'il faut aller. Allez, c'est parti, on lance la conspiration des poudres. Regarde-les, ces traîtres. Quand je pense au nombre de fois où j'ai dû supporter les grands airs de cette ordure d'Hornigold, ça me rend malade. Ma foi, vous êtes un homme de principe, capitaine Hornigold. Un homme auquel je pense pouvoir confier mes meilleures idées. Patience, on survivra à ça, Charles, sans perdre la face. Eh bien, quelle assurance. Tu m'as l'air d'avoir ton idée sur ce qu'on doit faire. Nassau est fini, on n'y peut plus rien. On doit filer d'ici ce soir, on se retrouvera à mon campement. Ça me va, qu'est-ce que t'as prévu ? Les Anglais ont débarqué leur matériel là-bas. Si on leur vole suffisamment de poudre et de poids, on pourra les charger dans un navire avant de l'envoyer sur les vaisseaux du blocus, pour les réduire en miettes. Ouais. On prendra le navire de Rackham. Il a jamais su s'en servir. Je ne veux pas te contredire. Bon. Toi, tu vas voler la poudre, et puis moi, je m'occupe de la poids. Alors, il va falloir voler 4 barils de poudre. Où est-ce qu'il se situe sur la carte? 1, 2, 3, 4. Bon, on va commencer par celui-là qui est à côté. C'est tout. Il va être juste là, tout le coup. Alors le problème, ça va être ces deux-là, là. Bon, on va y aller là pour un. Waouh. Ah! Honey! Your
Ok, bon. Voilà, on va en avoir volé un. Ah, il y a une sortie par là, d'accord. Allez, ça en fait un de volé. C'était pas très joli, mais bon, c'est fait. Alors, le suivant, il est ici. Ok. Ce baril de poudre du coup, et ça va en faire deux. Alors on avance, mon sujet a pas l'air d'être très protégé, donc très bien. Ouais, c'est où ça? En fait, c'est quand même une zone interdite, ça.
yourselves, you dollars! Ah, j'essaie de prendre un bouclier humain. Ah mince, c'est une autre tour. Hop, désynchronisé. Bon, tant pis pour celle-ci. Alors, j'ai l'impression de pas jouer très très bien là pour l'instant. Ils sont quand même nombreux dans cette... Ah, il est juste là, d'accord. Il y a quand même vachement de monde autour. Ouais, c'est un deux d'un coup qui arrive, on va tuer le général. Allez, hop. Say hello to the prince of diamonds at the clear shot. Someone's in those troops. Bon. Du coup, pour l'instant, il y a lui qui va nous embêter, mais je peux pas le contrer pour le moment. Mais on a quand même fait beaucoup de clair. On va attendre que lui là-haut ait terminé de regarder. Ok, allez.
Mince. Ok, c'est bon, on l'a pris. Allez, encore une. Bon, ça va être compliqué de passer sans se battre, de toute façon, ils sont vachement nombreux. Allez, lui ça va passer aussi. Allez, c'est bon, on l'a eu. Ah, j'ai pas pensé à utiliser les fléchettes. Alors, ça c'est bon. On va continuer du coup l'aventure. La mission suivante est ici. Commodore en partance. C'est parti. Allez les gars, c'est traîné. C'est ce maudit chanvre. Lieutenant. À vos ordres. Le Commodore craint qu'une révolte n'éclate. Nous avons ordre de couler chaque maudit bateau pirate qui mouille dans ce port, ce soir. On va désobéir au gouverneur ? Je vous ai donné un ordre, soldat. Vous allez prendre position sur le galion et attendre les instructions du Commodore. Suis-je clair ? Aye, sir. Quelle charogne du bas monde. Quelqu'un devrait aller gorger ce Commodore avant qu'il puisse transmettre ses ordres. Tu es sérieux? Sinon, on sera coincé ici. D'accord, je m'en occupe. Le rhum vous a rendu fou. Je vais pas vous aider à tuer le Commodore, pas un des hommes du roi. On va pas tenter la fortune. Vas-y, je bouge pas d'ici. Alors, va falloir tuer le Commodore. Alors, commencer du coup par suivre eux. Nous avons un message pour le Commodore, une affaire urgente. Allez-y. Rogers et Chamberlain n'ont pas l'air de beaucoup s'aimer. C'est pourquoi
Commodore ne porte pas les civils dans son cœur. Et d'après certaines rumeurs, Rogers serait une sorte de jacobite. Ou pire, on dit qu'il est catholique. Il existe pire que ça. Abotez ces deux hommes là-bas. Clear shot. Mince, je t'ai repéré. Je suis surpris qu'il me laisse, qu'il m'ait pas déjà désynchronisé là. Ça va être un problème même pour cette retrouver mes cibles. Ouais. Bon, ça fait un petit moment déjà que j'ai été détecté quand même. Ah, du coup, il m'a ramené jusqu'ici quand même. Je suis obligé de me faire lui. Alors, va falloir tuer le Commodore maintenant, qui se trouve sur son galion. Ok. Je cherche juste par où je peux monter. De l'honneur de notre cause. Et si ma désobéissance
tour, tout le monde sur le pied de guerre! Préparez-vous à larguer les huniers! C'est cela! Mettez-y un peu plus de nerfs! Parez à larguer le hunier, un bon signal! You there! Stop! In my sight, clear as day! Alors, où est-ce qu'il est, du coup, le Commodore ? Il faut juste attendre qu'il se décale un peu. Juste attendre qu'ils reviennent. Non. Ah, c'est où ça? Ouais, c'est trop. Ah, zut! Il a pas fait ce que je voulais qu'il fasse. Alors, c'est pas grave, on va recommencer. On va peut-être pas faire l'attaque aérienne. On va essayer de le tuer directement, ce Commodore. Ok. Gardez en mémoire notre objectif. On est là pour trouver la coque de tous ces maudits navires pirates. Stop there. Hold on. En fait, c'est de là. Ouais, tant pis. On va essayer d'y aller comme ça. Voilà. Le gouverneur nous a accordé un pardon, Commodore. N'as-tu aucun respect pour la parole d'un homme ? La vérole obscurcit ta raison.
Pourquoi se démener à sauver de telles crapules? Vous êtes des parasites, vous vivez sur le dos des gens honnêtes. On prend exemple sur le roi George, rien de plus. Garde ta place, paysan. Tu m'as peut-être ôté la vie, mais tu te trompes si tu crois que la tienne en sera meilleure. As-tu encore quelque chose à ajouter? Sans ce païen de gouverneur Rogers, je t'aurais fait pendre à tes propres mâts, espèce de larve. Ton heure arrive! Allez, cette mission-là a été accomplie. Ok, maintenant que ça c'est fait... Faut que j'aille de l'autre côté de l'île. Ah, c'est toujours indisponible les déplacements rapides. Et on va aller s'échapper du coup de Nassau, je suppose, maintenant. On va encore faire ça aujourd'hui. Allez, on va rejoindre le lieu pour la mission. Je suppose qu'on va aller faire sauter le blocus maintenant. Le brûlot, c'est parti. L'odeur est mort, t'es pas encore prêt? Presque. On a un problème avec le galion à cause de quelques... malédictions. Tu choisis de fumer ici, crétin! On est assis sur suffisamment de poudre pour réduire New Providence en miettes! Lâche-moi, malade! Tu m'as assez cogné! Edward, je te disais qu'une escouade de homards s'est installée sur notre galion. Va falloir les déloger avant d'utiliser les canons contre le blocus. Il y en a qui ne voyaient pas les risques, on va dire. Allez, on continue, du coup, on va dégager le régiment qui est sur le galion. Reste près du navire, maintiens-le à flot. Déferlez jusqu'au dernier pouce! Là-haut, les gars! Je vais voir, c'est caca toi! Les Anglais nous ont repérés! Regarde! Ok. Lui.
Reste près du navire. Maintiens-le à flot. Capitaine, ne bougez pas de cet endroit. Prêt à faire feu. C'est là qu'il faut tirer. Prêt à faire feu. Ah, bon sang, vois juste les tirs. À ton signal, capitaine. Ouais, on va faire celui-là là, en passant sur le côté. Il tire sur nous. Ne les laisse pas le couler, sinon tout est perdu. Bon sang, c'est raté. Tu vas faire sombrer le navire, Kenway. Ouais, non, je suis très très mal parti là. Toute la toile. Essayez pas de voler. Agrippez-vous. De la cible. Reste près du navire. Maintiens-le à flot. Il y a de petits canons, mais ces hommes rechargent vite. Allez hop, parce que là, il est en train de prendre le large, mon bateau, et il va se faire détruire forcément si je n'y suis pas. Bon. Capitaine, un coup bien placé à cet endroit. Ils les emportent. Prêt à faire feu. On est paré, capitaine. Emprenez-vous! On est paré, capitaine! C'est là qu'il faut tirer! Réduisez la toile! Ok, mon allié est là. Mais il est bientôt mort. Il tire sur nous! Attention, il va exploser! Éloigne-nous d'ici! Feu! Ah, capitaine, c'est là qu'il faut tirer! Attention au choc! Emprenez-vous! On est passé! Évite la flotte, et on sera hors de danger. Allez, c'est bon, on arrive à sortir du coup. Kenway, des mortiers. Tout va bien, hein, Kenway. La magie, c'est naturel chez nous. C'est pas encore gagné. Oh oh. J'aime pas du tout la merde. Approchez-vous. Une folie sur nous. Cramponnez-vous. On a été touché, capitaine. Ouais, bon, on a réussi à passer, mais on est passé juste à un endroit où il fallait pas, c'est-à-dire en plein milieu des deux bateaux. Mais on a réussi à évacuer. Ça va les tenir occupés. Brûlez, bande de chiens. Yeah. Colle-toi ton pardon au cul, gouverneur! À croire qu'ils viennent de faire une prise. Ok. Ça c'est fait. Salut, Kid. T'as manqué une belle flambée. Ouais. Dommage pour Nassau. Et Barbe Noire a quitté le navire. On va s'occuper de Satch. Ven est parti le voir et je m'apprête à le rejoindre. C'est tout ce qu'il reste de votre expérience démocratique ? Ouais. On fait ce qui nous plaît ici et on le fait en prenant notre temps. Nom de Dieu, Edward. Il y a vraiment que l'odeur de l'or qui te titille le nez. Hé, hey, quelle mouche t'a piqué ? La réalité, mon ami. La réalité.
Ne te laisse pas entraîner dans le sillage de Sra décadent. Oh! J'ai survécu plus longtemps que la plupart de mes semblables. Allez, on est rentré chez nous sur Great Inagua. Et puis bah du coup, nous on va s'arrêter là, je regarde juste où est-ce qu'il faut aller pour la suite. Ok, on a à nouveau accès à toute la carte. Il faudra aller tout là-haut pour faire la suite de la mission scénario. Très bien, bah écoutez, on va s'arrêter là nous pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur Assassin's Creed 4 Black Flag vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.